Nous ne sommes pas des Européens de seconde classe. Le message des premiers ministres du groupe Visegrad. La République tchèque, la Hongrie, la Pologne et la Slovénie appellent la Commission européenne à combattre les écarts de qualité dans les produits alimentaires entre l'Ouest et l'Est de l'UE. Les quatre États affirment que des multinationales introduisent sur leur marché des produits de moins bonne qualité que ceux qu'elles mettent en rayon à l'Ouest, sous les mêmes marques. Ce sommet aura un impact sur le comportement de certaines multinationales, assure le Premier ministre slovaque Robert Fico. Le grand succès diplomatique de cette réunion du Visegrad est d'être parvenu à hisser ce problème au rang européen. Sur 10 des 22 produits testés en Slovaquie, des chercheurs ont relevé de grandes différences de qualité. Certaines entreprises utilisaient des ingrédients moins chers ou moins d'ingrédients que dans les produits vendus chez les voisins autrichiens et allemands. Dans le viseur des Hongrois, Nutella, Coca-Cola, Knorr ou encore Nesquik. Certains industriels ont justifié ces différences par le besoin de s'adapter aux goûts locaux, mais l'argument ne passe pas. La protection du commerce international est une obligation de la Commission, rappelle le Premier ministre hongrois Viktor Orbán. Si elle ne le protège pas, nous devons le faire sur une base nationale. Nous allons attendre un peu. Si la Commission ne lance pas son propre procédé législatif, nous en lancerons un hongrois. Présente au sommet de Bratislava, la commissaire européenne aux consommateurs, Vera Jourova, a promis que l'UE allait sévir. Les premiers ministres du groupe Visegrad ont affirmé ensemble que leur population n'était pas des consommateurs de seconde classe. La Commission européenne est déterminée à mettre fin à ces pratiques. Tous appellent les entreprises concernées à établir un code de conduite dans lequel elles s'engageraient à cesser ces problèmes de qualité différenciée. Magyar Attila, Euronews, Pozsony.